La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie du joueur de la Ligue nationale de hockey, Alex Burrows. Alex, joueur de golf également, est-ce qu'on a autant la chance que de jouer au golf comme on le voudrait? Pas présentement, là, avec la petite famille. Maintenant, à la maison, c'est un peu plus difficile de partir de la maison puis partir jouer une game de golf de 5-6 heures. Mais j'essaie de jouer dans des tournois pour des différentes fondations, différentes charités le plus possible. Mais en même temps, quand j'étais plus jeune, là, c'était facilement 50 matchs par année, là, mais puis maintenant. Comment t'as appris à jouer au golf? Avec des amis, là, j'ai vraiment jamais pris de cours, puis j'ai juste appris à jouer avec mes amis, puis aller au terrain de golf, aller au range, puis essayer de perfectionner mon swing, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Dirais-tu que c'est une passion? Ouais, vraiment. Même après ma retraite, là, j'ai l'intention de jouer plusieurs matchs, puis essayer de faire des rondes un peu partout aux États-Unis, puis tout, là, essayer de me promener. Mais présentement, là, c'est plus hockey puis l'entraînement. Tu n'as jamais suivi de leçon. Tu dirais-tu que tu es un joueur naturel ou un technicien, même si tu as peaufiné par toi-même ta technique? Non, je te dirais, je suis ni l'un ni l'autre, on dirait. J'apprends sur le tas. Dans le temps, quand je jouais beaucoup, je pratiquais beaucoup. Là, je pouvais sortir des bonnes games dans les 70. Mais maintenant, là, je suis pas proche de ça pendant tout. Au cours de ta carrière de hockeyeur, as-tu eu la chance de jouer des parcours de golf dans certaines villes que tu te demandes? On a joué à TPC Sawgrass, on a joué Predator Ridge ici. En Colombie-Britannique, il y en a plein de beaux à Whistler, le Nicholas North, des beaux terrains comme ça. Mais j'aimerais ça, là, comme lui le faire, celui à Phoenix, là, le TPC, où est-ce que le 17e trou, le stadium. Ça, c'est, je me planifie un voyage peut-être au mois de septembre à Phoenix, puis avec des amis, puis on aimerait ça aller jouer ce terrain-là. Tu joues beaucoup avec des amis. Es-tu gageur un peu, gambler? Oui, on aime ça. On aime ça jouer des matchs, différents matchs, des match play ou juste des matchs de score de 4 points, des choses comme ça. Qu'on a du fun à se tirer la pipe et à s'agresser en même temps. Puis quel joueur est le meilleur golfeur? Quel joueur de hockey? Quel joueur de hockey? Je pensais David Boot, là, c'était un scratch golfeur qui était sûrement un des meilleurs que je connais, avec qui j'ai joué. À part ça, il y en a beaucoup qui piochent beaucoup, mais qui aiment ça quand même compétitionner. Puis côté élan de golf, pour faire un bon élan, quand tu es au-dessus de la balle, tu penses à quoi? Ça serait quoi tes swinky, comme on dit en anglais? Mes pieds. Visualiser la balle en tout temps. Des fois, là, j'aime ça regarder le fanion ou mon objectif, où est-ce que je vise. J'aimerais me considérer garder ça simple et garder les yeux sur la balle. T'es prêt à nous démontrer ça? Oui, si vous voulez. Excellent. C'est bon, ça? Plaisant.